désormais, vous savez que l'Allemagne ne se soucie plus des chèques rejetés, des problèmes de convoyage ou de la fausse monnaie. Au niveau de l'informatisation, au niveau de l'informatisation, vous savez que on a mis en place un dispositif permettant aux transitaires d'élaborer leur déclaration à partir de leur bureau. C'est quand même une mesure de facilitation et de sécurisation de recettes. La réglementation du cadre réglementaire. L'année 2017, l'administration des douanes a mis en place un nouveau système tarifaire, version 2017, qui est en parfaite harmonie avec l'OMD et le commerçant. La direction des douanes en 2017 aussi a mis en place le code des douanes avec bien entendu la collaboration de nos partenaires, y compris et notamment l'AFITAC. Ce sont des éléments qui nous permettent d'être performants dans nos activités douanières. L'assainissement de la profession de commissionnaire en douane. En 2017, l'administration a mis un coup d'arrêt à la prolifération des transitaires qui fourmillaient autour des centres de détournement. Désormais, nous avons affaire à des gens qui sont plus professionnalisés et qui sont capables d'être au même niveau de compréhension que l'administration des douanes. Le plus grand événement de 2017, c'est notre coopération avec la GID, sous, bien entendu, l'autorité, sous l'escarcelle du ministre des Finances ici présent. L'objectif de cette coopération, c'était quoi? C'était de mutualiser nos compétences et nos expertises afin de lutter contre l'informel et l'évasion fiscale. Aussi, il y a eu un cadre de concertation en 2017. En 2017, nous avons développé des partenariats avec le secteur privé pour nous enquérir des difficultés du secteur privé et essayer de leur apporter des solutions idoines. Et je vous rappelle que toutes ces démarches ont été entreprises sous l'autorité du ministre des Finances ici présent. Dans le cadre de la mission de sûreté dévolue à l'administration des douanes, nous avons fait un protocole d'accord avec Interpol afin de démanteler les réseaux de vols organisés de véhicules en provenance de l'Europe. Actuellement, nous avons deux agents qui sont au port dans une phase d'expérimentation en vue de contrôler les voitures censées être volées. Le programme de renforcement des capacités. Dans cette perspective,